Bonjour, un petit tuto pour remplacer un filtre à air sur une Fiat 500. Voilà, je vais vous montrer ce qu'il faut. Voilà, il va falloir dévisser les 6 vis. Alors, il y en a une là, une là, une là. Vous en avez une dessous. On va la voir ici, en bas. Voilà, une là, une au milieu et une de l'autre côté, bien sûr, au même endroit. Donc, pour dévisser, pour avoir accès au filtre à air. Allez, on va dévisser. Donc, c'est une clé de 7 qu'il faut. On va dévisser les 6 boulons. On fait mordre. Et voilà pour les trois premiers. On va faire pareil donc pour en dessous, pour les trois autres. Si. Voilà, elles sont pas trop accessibles celles de dessous. Celle qui est plus embêtante, ça sera celle du milieu. Faut y aller un peu à tâtons. Allez. Le deuxième, c'est vrai que c'est pas facile d'accès, mais on n'a pas le choix. Voilà, une fois les 6 vis retirées, on peut bouger comme ça et on a accès directement au filtre à air. En fait, voilà. On va pouvoir le remplacer. Allez, on replace donc le filtre à air à l'intérieur. On le remet en place. Et maintenant, ce qui va être sympa, c'est de revisser, de tout remettre en place. On va commencer par le dessus, comme ça ira vite. Donc il y a les 6 vis à resserrer. Une fois qu'il y en a un qui a pris, voilà, ici, ici. Celui-là. Et après, il faut faire exactement pareil dessous. Et dessous, je vous conseille donc d'utiliser une clé à cliquer. Ça sera beaucoup plus simple. Comme celle-ci. Pour pouvoir accéder au truc. Voilà. Donc, on a refixé. Le filtre à air a été remplacé sur la Fiat 500. Voilà. J'espère que ce petit tuto a été très utile pour vous. C'est vrai que c'est un peu galère pour attraper du moins la vis du milieu. Mais sinon, après, ça évite de passer au garage. Voilà, n'hésitez pas à liker ma vidéo et à me poser des questions et pour n'importe quoi, pour quelques petites bricoles. Merci, une bonne journée.